Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fils Adrien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui va commencer la saison 5 du Random Rush, je suis avec le légendaire Sucre, comment tu vas mon cher Sucre? Hola tout le monde, eh bien écoute ça va, là on tourne la vidéo assez tard donc le sommeil commence à arriver mais comme tu le sais, j'ai toujours un peu de sucre dans le sang donc ça va aller. J'espère que le combat va te maintenir éveillé, surtout que bien parmi les changements de cette saison 5, on va retourner dans le Super 1 et que donc il y a une notion de vitesse qui va revenir. Notion de vitesse qui s'était perdue parce que dans le Super 2 on brûlait relativement rapidement. Alors que pour rappel, les premières saisons se passaient en Super 1 et c'était pas rare qu'on finisse en fait. Tout à fait. Et en plus là il y a 3 nouveaux malus qui risquent de faire leur apparition. Voilà, on a essayé d'inventer des nouvelles règles, les bros, donc n'hésitez pas à nous dire directement dans les commentaires, une fois qu'on va vous expliquer les règles, ce que vous en pensez, et surtout une fois que vous avez vu l'application de ces règles, si vous trouvez ça cool ou pas, et donnez-nous encore une fois, comme d'habitude, vos conseils dans les commentaires, c'est hyper important, c'est grâce à ça qu'on peut à chaque fois améliorer le concept du Random Rush, ou de moins le changer d'une saison sur une autre. On va partir tout de suite, pour rappel, si vous n'avez pas encore vu les différentes saisons d'avant, elles sont sur ma chaîne et la chaîne de Sucre qui sera dans la description, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais rapidement expliquer les règles de cette nouvelle saison, comment ça va se passer, au niveau du tirage des personnages, il n'y a rien qui change, c'est comme d'habitude. On va partir en Super 1, comme j'ai dit juste avant. Donc le Super 1, c'est de Broly à quel boss déjà, Sacha? Ah, bah merci de me le demander, si je le savais justement. Je ne me souviens plus honnêtement. C'est Janemba, je pense, le dernier. Possible. Ou Gogeta peut-être. Hein. Je sais plus, franchement je sais plus, je pense que c'est Janemba mais je m'en rappelle plus. Donc au niveau des charges des personnages, rien ne change, c'est comme d'habitude. Les choses qui vont changer, et c'est un changement qui risque de faire pas mal rager je pense dans ce Random Rush là, dans cette saison là, c'est que en fait, une fois que nous aurons chacun, Sacha et moi, terminé le tirage de nos 6 personnages, on va devoir chacun de notre côté montrer à la caméra un chiffre entre 1 et 2. Donc je montrerai un pouce pour le 1 et 2, je montrerai deux doigts, tu vois, si c'est ça. Et Sacha aussi de son côté là. J'essaierai de deviner le chiffre qu'a donné Sacha, et Sacha essaiera de deviner le chiffre que j'ai donné. Si l'un de nous deux a raison, donc si j'ai raison sur le chiffre de Sacha, ils veulent se manger un malus tiré au sort parmi 3 malus possibles. Le premier malus sera le malus le plus violent, celui qui risque de faire rager mais à un maximum. Ce malus consistera à retirer au choix par l'adversaire un personnage de votre équipe, et à la place de ça l'adversaire pourra choisir un personnage à rentrer dans la team. Donc admettons Susucre a réussi à tirer Gogeta et SJ4, et bien je pense que je me ferai un plaisir de lui donner le Cyberman puissance ou une autre unité pourrie s'il l'a. Je pense que tu dois l'avoir. Le malus numéro 2 quant à lui est assez violent aussi, un petit peu moins quand même, donc ça sera tiré au sort les bros, hein. Le malus c'est pas nous qui choisissons. Si c'est le 2 qui tombe, il devra partir avec un ami leader tiré au hasard. Donc il ne choisira pas l'ami leader, ça sera du random. Surtout qu'en plus maintenant, il y a un hardcore mode limite avec le Goku LR où il y a full ami leader pourri en fait. C'est assez horrible. Donc voilà pour ça. Et enfin le troisième malus consistera à enlever un stack d'items. Donc l'adversaire devra partir avec 3 items, enfin 3 x 2 items, contrairement à d'habitude où c'est 4 x 2 items. Donc n'hésitez pas à nous proposer des malus pour les prochains épisodes ou des modifications par rapport au malus si vous avez des idées les bros. Et n'hésitez pas à liker les idées des autres, comme ça, ça nous permettra de mieux voir les commentaires appréciés. Est-ce que tu es prêt mon cher Sacha? Bah écoute, ouais, je suis prêt. J'étais en train de regarder l'artwork de Kuliza, sûrement. Je pense que c'est 60 balles. Ouais, Kuliza. Il a du flow, hein, comme son pseudo. Ah, il est quand même over swag. voilà, c'était juste pour dire ça. Ouais. On va partir tout de suite. Tu as 21 lignes, il me semble, tu m'as dit juste avant. Tout à fait, mon cher. Donc pour toi, ça n'a pas bougé. Pour moi non plus, j'arrive presque au 14. Tu as 13 lignes là actuellement. Alléluia. Alléluia, donc bien écoute, on va pouvoir commencer le tirage, je vais te tirer ton premier personnage qui sera... Attends, c'est moi l'invité, c'est moi qui tire en premier. Allez, vas-y, tire en premier. Voilà. Tire en premier. C'est parti, j'ai toujours aimé tirer en premier. Ligne 3. Ok. Alors par contre, je m'entends en écho sur ton micro, mon cher Adric. C'est dans mon casque, t'inquiète pas, il y aura pas de... Ils ont très bien, tout va bien. Alors numéro 3, attends, pardon, du coup j'ai bugué, ouais. J'attendais. Ligne 3. Numéro 2. Je peux pas. Très bien. Eh bien, du coup, ça va être le numéro 4. Putain, t'es vraiment une grosse merde. Ah! C'est impressionnant, mec. Bon, ok, très bien. KB technique. KB technique. Il y avait quand même Gogeta et SJ4 hein, à côté. Tu vas fâcher Chenou, hein?
Je vais fâcher Snow, oui. Je vais passer Snow. Écoute, on va partir sur ta ligne à toi qui sera la numéro 4. Tu as bien trié par personnage, n'est-ce pas? Tout à fait, Jean-Paul. Alors, numéro 4, 1, 2, 3, 4. Très bien, jusque-là, j'arrive à compter. Et le personnage numéro 3 Xenotrunks Endurance. Xenotrunks Endurance. Ah ouais, une unité carnage, hein, comme on en veut tous les jours. Le carnage, El Famoso. Je crois que je préfère avoir KB presque que le Xenotrunks. Je crois que tu préfères avoir KB que le Xenotrunks, tout à fait. Ligne numéro 4. Ok. Numéro 3. Le Goku support agilité du Baba Shop. Je sais pas si tu vois c'est lequel. Pas du tout, mais je te crois. Tout va bien. Alors, la ligne numéro 17 pour toi. Donc, ça sent la grosse ligne. La ligne numéro 17. Alors attends, j'en ai combien moi de base? 21? Oui. Alors 21, 20, 19, 18, 17. Oh, effectivement. Ah, si tu... ah écoute, attends, avant de me tirer. Ouais. Sur les 5 persos, j'en ai 3 très fat, 1 un peu moins fat, tu vois, et ouais. Un bidon. Si tu tires celui-là, j'arrête, je rage quitte. Ok, c'est le numéro 5. Ah, Omega Shenron, le nouveau Endurance. Ah ouais, heureusement qu'il est bientôt disponible, hein. Heureusement, parce que sinon... Heureusement, c'est clair comment on le rapporte, on a mis leader du coup. Ça aurait été sûrement très très fort. Donc okay, ça veut dire qu'en fait, je vais être dans la merde pour le jouer, il va falloir que je prenne un Rosé en leader par exemple. Très très bien. C'était une ligne où il y avait Goku SSJ4, Omega Puissance, Lee Shenron et le Goten hein, mal incarné, enfin le Goten mal incarné que je raconte moi, le Goten possédé là, GT là. Gratuit. C'était pas la pire des lignes, hein, en soi. Non, mais par contre, si tu m'avais tiré le Goten, là, j'aurais crié au scandale. Alors, ligne 3 pour toi. Ok. Numéro 5. Vegeto Blue. Ah, j'aime le silence. Comme on dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or, n'est-ce pas, Sacha? Alors, pour toi, ça sera la ligne 14. Pas d'or, 3 lignes en tout. Dis. Non, c'est incroyable. 3 lignes en tout, d'où t'étais juste avant la ligne 14. 1, 2, 3, ouais. Et le numéro 1. Voilà, Goku, Kamehameha, père familial, là mes couilles, on est content. Ok. 9, 10, 11, 12, 13, 14, on vérifie quand même. Hein. Très très bien, donc je viens de te tirer encore SVB, ça fait deux games d'affilée, enfin que je m'en rende compte. C'est ça, en super 1, très bien. C'est ça, SVB en super 1, c'est plutôt fort, je pense. Ligne 6, numéro 3. Écoute, tu sais quoi, je pense, je vais aller lui mettre des vieux cahiers avant de commencer. Écoute, je m'en fiche, mais ligne 6, numéro 3. Ah putain, tu dis rien, je pensais que t'allais tirer. Ah, ok, ligne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, numéro 3, c'est le Gotenks Puissance, qui va plutôt très bien avec le SVB, on est content. Le Gotenks Puissance Super Saiyajin. Alors, pour toi, ça sera la numéro 10, et le personnage 3, numéro 4, 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, on est content, hein, C18 AJ, hein, on veut tous les jours. C'est un bon personnage. Ouais, on se régale. Ah oui, pour l'instant, ah oui, juste, je te coupe, à la base, les bros, j'avais annoncé que je ferais le prochain Random Rush sur mon compte global, mais on a essayé, et 49 lignes, c'est beaucoup trop, en fait, je passe mon temps à compter, c'est infâme, en fait, c'est pas possible, il y a vraiment trop de lignes sur le compte global pour le Random Rush. Ouais, tout à fait. Bon, du coup, ligne 12. Ok. Numéro 1. Bojack Agilité, donc il est sur la globale, j'étais en train de réfléchir, mais oui, il est sur la globale, donc on n'est pas hyper content d'avoir eu Bojack Agilité. Ouais, moi pour l'instant, moi je pense que mon Omega est en train de se demander, mais qu'est-ce que je branle dans cette team? Ouais, je vois les bails. Pour toi, ça sera la ligne numéro 5, et le personnage numéro 5. Kid Buu Agi. Kid Buu Agi, ok. Wow. Ok, quel bon personnage. Aussi bon que mon Bojack, au moins. On est extrêmement content. Alors, ligne 9 pour toi. Ok. Et le numéro 1. Alors, 13, 12, 11, 19. Le numéro 1, c'est le Trunks GT Tech qui a obtenu son Rebirth sur la Jap, qui ne l'a pas encore sur la globale, mais je suis plutôt content, c'est cool. Tu l'as... Je l'ai Rebirth, ouais. Très bien, donc je peux pas jouer, très bien. Donc alors, on va te retirer un personnage. Bah si, je peux le jouer, pourquoi je peux pas le jouer? Il est pas, enfin il est pas ouf hein, ça c'est dire. Ouais, enfin bon, ouf. On en parle de mon kit Buu Agi. Ok. Il te reste un perso ou toi ou pas du coup là? Oui, moi c'est un perso. Ok. Donc pour toi ça sera la ligne numéro 15. 15. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et le personnage numéro 4. Gohan, Gretsayaman, Endurance, tu sais celui qu'on drop tout le temps, tous aussi là. Je vois les bails. Voilà, ouais, SSJ2. Je vois les bails, lui on l'a tous.
Il y avait Gogeta Puissance dans la ligne à la place numéro 5. Est-ce que t'aurais préféré Gogeta Puissance? J'aurais même préféré Janemba Intelligence pour partir sur du rosé. D'accord, très bien. Écoute, on a encore le droit de changer des persos par contre. Ça ne change pas. Moi j'ai deux changements parce que j'ai 21 persos. Donc, vas-y, tiens, change-en. Hein. Eh bien, on va commencer par changer ce bon vieux Xenotrunks, hein, qui même niveau lien est catastrophique. Ok, ça sera la ligne 20. Ah! Donc l'avant-dernière. Ah, attends! Attends, mec, c'est pas... Oh là là là, tiens, ne te trompe pas. Ce sera le numéro 1. Mais non. Mais non. Putain, le même jeu, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Mais putain, mec, que... va manger tes morts, quoi. Vraiment, tu rêves. Dans une ligne composée de... Eh ben, du fameux Kuliza dont on parlait juste au début de la vidéo, hein. Non mais attends, c'est pas lui qu'on droppe quand même, ça aurait été drôle mais c'est pas lui. Vegeta SSJ 3 puissance GT. Ouais. Ok, donc là t'as les deux persos les plus pourris de la ligne, suivi de SVB, Rosé et Vegeta Blue. Ok. On a droppé Vegeta SSJ 3 puissance GT. Hein, bon. On personnage. Est content. Bon personnage. Bon personnage il en est. Sur une ligne très qualitative. Mais bah, j'en doute pas. Oh là là. J'en doute pas. Écoute. Est-ce que c'est pas lui qui le retirait ou c'est 18, putain, je sais pas, au kit bout quoi. Vas-y, je vire c'est 18, vas-y. Tu vires c'est 18, ok, donc ça sera la ligne numéro 14. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, tu m'as déjà tiré un perso, ils sont tous pourris dans cette ligne, oh là là. Le numéro 2. Waouh, le Goku technique, je sais même pas lequel c'est, Super Saiyajin 2, Ange. Ok, ah, si, okay, bah, c'est celui qui se Dokkan, je crois, dans le futur, sur la Jap, en SSJ 3, pour donner l'aspect à Goku SSJ 3 Tech, je crois, ou alors je dis totalement de la merde, je me souviens plus. Je sais rien. Je sais pas du tout. Écoute, moi je vais retirer mon Bojack Agilité. Ouais, mais mange mes morts. Alors dis-moi tout. Ligne numéro 9. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Numéro 2. Je peux pas, il est pas sur la... Je peux que le 4 ou le 5. Eh bien écoute, ça sera... J'attends jusqu'à ce que le 4 ou le 5 sorte dans le générateur. Ça sera le 4. Vegeta SSJ 4. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, le Vegeta SSJ 4 avec 4 doublons vient... 3 doublons, pardon. 3 doublons vient de tomber. Et ça fait plutôt plaisir. Écoute, on va pouvoir passer tout de suite à... Tu sais, au petit... Comment on peut passer à le système de numéro? Je ne sais pas, on s'en fout, le loto, ok? Ouais, vas-y, passons au loto. Tu sais que... Concrètement, si le chiffre que je donne, tu le devines et que je me tape le malus 1, tu peux me virer mon Vegeta. Bon, après, on est content, c'est pas comme s'il te restait SVB dans la compo. Il reste SVB, j'avoue. C'est pas comme si moi tu me virais Omega, j'avais plus un seul bon perso dans la team. Bon, bref, écoute, montre un chiffre entre 1 et 2 à la cam et je vais faire pareil. Très bien. Je viens de le montrer. Ok, donc d'après toi, quel chiffre j'ai mis? Le 2. Putain, t'as l'enculé, t'as eu juste. C'est vrai? Ouais, t'as l'enculé, t'as eu juste. Bon, écoute, on va me piquer du coup un malus. Alors, je vais tirer un malus entre 1 et 3 au sort, les bros. Donc là, le malus, par contre, on est obligé de vous l'afficher parce que si, ça serait trop fort. Attends, mais là, genre, t'avais montré le chiffre 2? Ouais, j'avais montré le chiffre 2, ouais. Bah, donc, tu me tires. Donc, moi, j'ai pas de malus. Bah, sauf si moi, je devine ton chiffre. Si je devine ton chiffre, t'as un malus. Ok, mais alors là, pourquoi tu veux tirer un truc entre 1 et 3, là, j'ai pas compris. Bah, parce que moi, là, j'ai un malus, vu que t'as deviné mon chiffre. Ah, c'est celui qui devine le chiffre. Bah qui... ouais, tu sais, on fait ça en mode genre, comment ça s'appelle? Tu te rappelles le sur Budokai 3, tu sais, où quand t'appuies sur X, si oui, là tu l'avais fait croix. Voilà, tu vois, c'est ça. Comment ça s'appelait ça? Je sais le pas. Dragon Rush, sais... non? Je sais plus, gros, je sais plus. Par contre, du coup, moi, il faut que tu devines mon chiffre. Si tu devines le chiffre que j'ai donné, j'ai un malus. C'est ça, si je devine le chiffre que t'as donné, t'as un malus. Alors attends, d'abord essaye de deviner un de mes chiffres et après on fait les deux tirages au sort. Ok, moi je pense que t'as mis le 1. T'as mis le 1, c'est ça? J'ai mis le 1. T'as mis le 1, ok, donc toi aussi t'auras un malus. Est-ce que je tire d'abord ton malus ou je tire le mien d'abord? Vas-y, tire le mien, bro, au point j'en suis, de toute façon. Ok, donc toi t'auras le malus numéro 3, donc t'auras un stack d'items en moins. Donc tu pourras partir avec seulement 3 items au lieu de 4, ok? 3x2. Et moi j'aurai le malus numéro 3 aussi, donc je pourrais pas... On est plutôt contents, ça va? Putain, mais la chatte!
pourrais partir avec, du coup, bah voilà, t'as compris quoi. T'as compris. Écoute, je sais pas, je mets qui en leader? Je mets SVB ou Vegeta SH4, sucre? Mais vas-y, mange mon cul. Ok, très bien. Du coup, je pense que je vais mettre SVB vu que j'ai une team full super. Et toi, tu vas mettre qui? J'en sais rien. J'ai aucun perso qui donne du ki, j'ai... Mais quand je te dis que j'ai aucun perso qui donne du ki, j'ai... Alors oui, par contre, les gars, aussi, un autre changement que j'ai pas dit, on va pas faire un point par chaque boss passé, parce qu'en super 1, c'est vraiment... on va passer trop de boss si on fait ça, donc on fait pas ça. Et du coup, là, en fait, on va marquer un point, enfin, celui qui va le plus loin marque un point, ça sera le premier 5 points qui gagnera la saison, tout simplement. Tu sais que je me tâte à mettre Vegeta en leader quand même. Hein. Ah ouais? Bah écoute, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, ce que j'ai qu'un truc à dire, c'est que j'ai mis le meilleur personnage du monde en leader. T'as mis Vegeta CJ3GT? Non, non. T'as mis qui? Bientôt disponible. J'ai mis bientôt disponible en leader. J'ai mis bientôt disponible en leader, mon gars. Parce que de toute manière, j'ai personne qui donne du ki. Donc. Si, le Vegeta il donne du. Ah, mais tu l'as relancé le Vegeta. Non, non, il est là. Il donne ki plus 2 sur tous les chips, c'est vrai, je pourrais mettre le Vegeta, mais. J'ai tellement zéro chance sur cette game que j'ai envie de partir avec Omega en. Non, bientôt disponible en leader. D'accord, très bien. Donc, tu veux mourir très vite, c'est ça? Non, bon, t'as raison, je vais mettre le Vegeta. On va quand même essayer de garder du suspense. Un petit peu, tu sais qu'en plus ça peut mourir sur Broly, c'est complètement possible de prendre un gros kill sur ce connard Broly là. Du coup, bah moi je vais partir avec double soin et fantôme, du coup. Très bien, bah double soin et fantôme aussi. Double soin et fantôme. Et en ami leader, j'ai tenté un coup de poker. Aïe aïe, il prend le Gohan LR. Ah, je suis spotted. Aïe aïe, il prend le Gohan LR, j'en étais sûr. Je suis spotted, j'ai pris un Gohan LR level 20. Tu sais que je me tâte à prendre Vegeta parce que franchement, en fait, il y a l'event de Broly qui est dur. Ouais, non, vas-y, je pars en double SVB, le beau jeu, tout le monde est boosté. Écoute, bah moi je lance, hein, je lance. Moi aussi, je lance, écoute. Alors, je pense que niveau HP, je devrais avoir un peu plus que toi. Non, tu penses? T'as combien toi? J'ai 90 000. Moi j'ai 150 000. On est content du coup. On est content. T'es bien en super 1, c'est bon, pas de soucis. Ouais, Broly, je suis devant Broly puissance, on est content. Ok, écoute. Ah, c'est directement Broly puissance? Ah oui, c'est directement Broly puissance, c'est vrai. Tout à fait tiré. Ok, bien écoute, on fait notre rotation et puis on va pouvoir y aller. Bah, moi je t'attends. Ok, bah 1, 2, 3, let's go, que le meilleur gagne ou que celui qui a la meilleure team gagne aussi, c'est une possibilité, n'est-ce pas? Tout à fait Thierry, tout à fait. Donc moi je pars en SP avec tout le monde, hein, forcément, vu que tout le monde est plutôt bien monté, mon SVB qui part en SP à 400 000, qui ne met pas de coup critique. Mais moi on est content, hein, mon Mega Shenron il va partir en SP souvent, on est content. Un régal. On est content, je le conçois. Mais ceci dit, s'il part en SP, est-ce qu'il va faire mal? Parce qu'il faut qu'il soit boosté pour un leader pour faire mal quand même. C'est écoute, là on a du gros leader chez nous, hein. On vient de faire une attaque à 2500 avec une attaque SP, donc on est content. Ah bah quand même. Attention, mon Mega Shenron part en SP, il va taper à combien? Oh là 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 là, il a tapé à 102 000! Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le réel chiffre. Très 100 très bien. 2000 de dommages en 2017. Exceptionnel. Écoute, moi j'ai passé le Broly puissance, ça y est. Je me dirige tout de suite vers le prochain boss. Qui n'est autre que le sel technique. Moi je me dirige vers une attaque de Kid Buu agilité. Alors sur le bon type, attention sur le bon type, on a tapé, attention. Vous n'avez pas rêvé, mesdames et messieurs. Sur le bon type, Kid Buu agit à taper à 36 000. Donc on est extrêmement ah, c'est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre. Magnifique. Le beau jeu. C'est exceptionnel, je pensais que Gohan LR allait one-shot tout le monde, mais tout à l'heure il a même pas réussi à one-shot un boss à 3 barres. Donc on est extrêmement content, on vit une vie pleine de surprises. Ah ouais, sache que mon SVB 100% ami leader ne sert strictement à rien. Il a pas mis un crit, il a pas mis de spé, il sert à rien. Très bien. Très très bien. Ah mais par contre mon Vegeta SH4, lui on est content. Ah merde, je dis ça mais je m'en pense plus avec MDR. Ah bah on est content. Du coup moi je suis à sel, hein. Ah t'es à sel quand même? Ah bah... Oh là, attention les amis, quand même. Va falloir accélérer un peu parce que... Oh, tu me respectes un peu ou... Attends, non, mais moi je pensais que t'allais mourir sur Broly, moi. Ah ouais, le mec il me respecte mais totalement pas quand même. Écoute, moi je viens de passer sel, là ça y est.
Très très bien. Mais moi, Omega Shenron va partir en spé contre Cell, hein, parce que ouais, j'ai eu je sais pas combien de boules endurance devant moi. Je sais pas pourquoi. C'était écoute, je pense que je vais perfect l'event, moi, en fait. Je vais mettre un perfect, je pense. Hein. On est content. On a tapé du très très lourd là encore une fois avec Omega Shenron. Oh là là, le 6000 en attaque auto. Exceptionnel. Exceptionnel, je pense que c'est le mot. Le bon, le voici. Mala, machalux, tellement c'est beau. Alors attention, Gwenelère qui va taper sur le bon chip sans boost, on va voir combien il va taper. Je me prends une spé. Ouais, mon Vegito Blue a été transformé en bonbon par Fatbou. On est content. Alors attention, l'attaque de Gwenelère sur le bon chip, mesdames et messieurs. Oh, on a quand même 1,2 million. Tu l'as tué quand même, non, du coup. Je l'ai quand même tué, quoi. Gwenelère est vraiment fort quand même, hein, c'est ouf. Hein. En 2017, on arrive à tuer des gens. C'est bien. Donc, en soi, et mec, en soi, t'es pas loin derrière moi, hein. Je suis juste en super boule là, je suis à la phase juste après. J'attaque face de vous, moi. Au fait, Gwenelère va one-shot tout le monde, quoi. Oui, mais bon, faut aller vite, non? Ah, le but c'est de finir en premier, oui. Le but c'est de finir en premier. Donc, du coup, rip, quoi. Ou de finir plus loin si tu meurs avant, bien sûr. Hop, alors, moi, écoute, je suis au kit boue endurance là, normalement, je devrais le tuer en un tour. Toi, t'es au fat boue tech. Ouais, je me sens bien quand même, je me sens bien, les gars, franchement, je me sens bien. Ça va. Léger avantage. Ah putain. Ok, normalement j'aurais le tuer en un tour. Sauf si SVB c'est vraiment la dernière des grosses chiasses, le SVB 100% mini-leader. Très bien. Ah, ça y est, il repart en spé. Enfin, première fois de jeu qui met une deuxième spé. Ok, c'est bon. Kid Buu est terminé chez moi. Hop. Moi aussi je viens de le finir. T'as terminé Kid Buu là? Ouais. C'est pas possible, mec, je te crois pas. Ah, écoute, si je te le dis. Non, c'est impossible. Tu viens pas de terminer Kid Buu, c'est impossible. Si je te le dis, je viens de terminer Kid Buu. Mec, tu peux pas aller aussi vite que moi avec ta team cassée là. Je suis après Kid Buu. Donc t'es à qui? Bah, je suis au prochain personnage. Ah ouais, tu sais même pas c'est qui, bah, ça le troll, bah. Ça le troll. Je t'ai spotted. Très bien. Je t'ai spotted. Non, t'en es où plus sérieusement là? Arrête de vendre. Plus sérieusement, je risque de partir en Dokkan mode. Contre qui? Kid Buu? Ah non, non, non. Contre le Boutek, on est content. Ah très bien, moi je pars en Dokkan mode aussi là. Je pars en Dokkan mode. Est-ce que tu penses que... Oh là. Bon, je dirai rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne dirai pas. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? T'es mort? Je ne parlerai pas. Ah, si t'es mort, la tête de ma mère, que tu vais te trash talk pendant toute ta vie, mon gars. Je ne parlerai pas, j'espère juste... Ah, heureusement! Heureusement, SBB a mis un crit, parce que là, je te promets, il y avait Goku SJ3 comme un con, je l'avais laissé taper sur mon seul puissance, et Goku SJ3 en spé, et en plus, il retapait derrière encore, il m'aurait tué. S'il partait en spé, il retapait derrière, j'étais mort. Donc heureusement que SBB a mis un crit, sinon c'était la tristesse, quoi, tu vois. Vois-tu ce que je veux dire ou pas? Vas-y, vas-y. Écoute, moi, je suis à Jamba puissance, là. Je suis... À... En fait, c'est vraiment insolent, la team que j'ai eue, là. C'est vraiment, vraiment insolent. J'ai une Rainbow super de ouf, mon gars, avec Vegeta SJ4 dedans. On est content. Je pense que ça va faire un zéro, cette histoire. Je veux pas trop m'avancer, mais... T'en es où, toi? Ah ben, on va essayer de tuer Kid Buu Endurance, non? Ah oui, du coup, avec ton Gohan LR, tu vas t'amuser contre de l'endurance. Ah, c'est un régal. J'espère qu'il a un doublon. Bien sûr. Il a un full arbre, 100% d'ailleurs. Bien sûr. C'est calque sur la globale. Voilà, c'est fait. Le Gohan de calque sur la globale. Ça a quand même suffi pour one shot. Non, sérieusement? Ouais. Putain. Ah, mais en Dokkan mode? Oui. Ouais. Ok. Bah écoute, moi, ça va être terminé, mon cher Sacha, là, je pense. Hein. Ah ouais. Je pense que ça va être terminé. Et oui, ça y est, c'est fini. J'ai réussi à gagner contre Jamba Intelligence. Donc tu peux t'arrêter là. Tu n'as pas besoin de finir, hein, vu que tu n'as pas de points à récupérer. Enfin, tu peux finir si tu veux pour le beau jeu. Mais qu'est-ce que tu penses du tirage que tu me fais à chaque fois, toi? Écoute, j'ai rien d'autre à dire. Parce qu'après, les gens vont dire que je rage encore. Et il vaut mieux que je ne parle plus. Parce que sinon, je risque d'insulter ta famille sur 10 générations. Et évidemment, nous ne sommes pas là pour ça. Ça va être très, 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 très bien. Eh bien, écoute, ça fait donc 1-0 pour moi. Il me reste plus que 4 points pour être le Heavyweight Champion of the World, of the Championship, of the Random Rush. Calme-toi, Mayweather. Non, moi, c'est Conor McGregor. Ah, t'as aucune chance de gagner, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? T'es arrivé jusqu'à où, au final? T'as réussi à passer Kid Buu, quand même? Oh, je me suis barré. Ouais, j'ai juste après, j'ai abandonné.
Ok, ok. Eh bien, écoutez les bros dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la nouvelle formule. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on fasse toute la saison comme ça? Il y a de fortes chances qu'on la fasse façon entièrement comme ça, mais si ça vous plaît, ça nous donnerait encore plus de baume au cœur. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine épisode qui sera sur la chaîne de Sacha, le prochain épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, à bombarder les pouces bleus, à vous abonner à nos deux chaînes, et on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt pour l'épisode 2. Portez-vous bien. Bye bye. Ouais, ciao.